Ok l'équipe, donc la nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. C'est une vidéo qu'on n'a jamais faite sur la chaîne, comme vous pouvez le voir, bah là je suis tout seul, je suis chez moi. Lilian et Mathis ils sont pas là. J'ai fait une commande sur Nomad Shop, j'en ai eu pour un total d'à peu près 240 euros. Donc voilà. Donc là je vais ouvrir les cartons etc. Et puis je ferai une petite pause pour le montage de la trotte. Pas que vous attendiez tout autant. Bah voilà, on va commencer un premier carton. Alors là, hop. Donc là, c'est des genouillères, des rompni patch, je sais pas trop la marque, si c'est des règles. Donc voilà, je l'ai acheté 24 euros il me semble. Donc voilà. J'espère qu'elles seront pas mal. Voilà. Le premier carton. Ça, c'est fait. Là, on va passer au gros carton. Hop. Hop. Hop là. Hop. Donc je pense que vous avez compris ce que c'était. C'est la boutique Caravan. Donc je l'ai acheté 200 euros sur Matchup. Je vous le conseille, le site, je vous le conseille. Donc ils m'ont offert deux t-shirts avec, un Matchup, pas mal. Et un éthique. Donc, on va donc je vais vous dire ce qu'il y a sur cette trotte. Donc là, il y a un petit deck Erawan. Là, des round tubes, l'autre est déjà dessus. La barre Dryad, que vous connaissez tous, je pense. Puis bah voilà, hein, on va déballer tout ça. Donc là, je vais vous faire une pause quand j'aurai tout sorti. Et je reprends dès que j'ai tout sorti. Allez. Ok, donc re-l'équipe. Donc là j'ai déballé toutes les pièces, donc là tout est sorti, j'ai enlevé la boîte etc. Et je vais vous montrer pièce par pièce pour voir ce qu'il y a dans ce petit pack là. Et après je ferai une coupure encore, je ferai des petits plans etc. Je vous dirai les caractéristiques de cette trotte etc. Donc là, vous ne me verrez plus derrière, je serai derrière la caméra, je vais vous filmer les pièces. Et voilà, bon allez. Donc là, on va commencer par la petite barre Dryad avec le poignet éthique. Voilà la petite barre. Donc avec, il y a une clé Allen de 6, une longue pour le jeu de compression. Après, il y a une autre clé Allen de 6 pour les roues, etc. Donc là, il y a la roue avant, une tube, donc en néochrome. Donc ouais, j'ai pris je l'ai pris en néochrome. Mathis, il a la même, sauf que lui, ça fait assez longtemps qu'il l'a. Donc là, il y a la vis de compression. Voilà. Là, la pièce principale, le petit deck avec la roue, le frein. Petit deck avec un grip gros grain. Petit jeu de direction. Voilà, la petite fourche. Et là, les genouillères, c'est des règles, donc voilà, elles sont pas mal. Donc là, je vais vous faire une coupure. Là, je vais vous faire une coupure pour monter la trotte, et puis après, je vous reprends après pour vous montrer comment ça fait la trotte montée, etc. Allez, à tout. Ok, l'équipe. Donc là, je fais la troisième partie pour faire le drop test. Et dire un peu les précisions de la trottinette. Mais là en fait j'ai eu un problème avec ma caméra, du coup j'ai dû racheter une carte SD, donc j'ai acheté tout à l'heure parce que j'avais plus de place dessus et du coup ça l'a bloqué. Du coup là c'est le soir, du coup voilà. Donc je vais vous présenter la trotte, comment elle est, enfin ce qu'il y a dessus, je vais vous dire le poids etc. Donc voilà, allez. Donc là
Il y a des petites poignées éthiques là. Non, même, enfin. La petite barre dryade. Des poignées éthiques. Des bouchons éthiques. Là, on descend. Le petit collier de serrage. La petite coupelle en néochrome. Donc là, aujourd'hui, là, j'ai roulé. Donc il y aura peut-être quelques rayures. Donc voilà. Donc là, c'est la fourche Légion. Donc là, des petits trous incubes en 110 mm à l'avant et à l'arrière. Là, le deck Erawan. Donc je l'ai utilisé un peu tout à l'heure, donc c'est un peu sale. Le petit frein. Et donc voilà. Donc la trottinette en elle-même complète comme ça, elle fait 2,9 kg à peu près. Donc c'est hyper léger. Puis bah voilà. Donc là, je vais essayer de caler la caméra et on va faire le drop test. Allez. Donc là, j'espère que vous me voyez bien. Donc là, il va lancer le trot. Voilà, on va faire le drop test. Normalement, il n'y a aucun jeu. Donc voilà, il n'y a aucun jeu. Hein. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher des likes à fond. Partagez. Et activez la cloche, surtout, c'est important. Je vous mettrai aussi nos Instagram à moi, Lilian et Mathis dans la description. Allez, ciao!